Bien Koulibaly, salut à toi depuis ta position. Salut à tous ceux qui sont connectés. J'espère que vous allez bien. Chers frères et sœurs, c'est votre frère, le Zoulou de Bogota. Voilà. On va parler rapidement et on va mettre les trucs au clair. Voilà. Comme les gens veulent parler, ils parlent, ils parlent, ils parlent. Mais il faudrait qu'on leur explique la vraie réalité. Chers frères et sœurs, je reviens encore dans ce direct pour vous expliquer. D'abord, je vais parler de la communication de certaines personnes. Parce que depuis quelques jours, je vois, disons, des messages pratiquement sur les réseaux sociaux où il y a certaines personnes Excusez-moi, on va partager le direct là. Partagez le direct en attendant. Partagez, partagez, s'il vous plaît, partagez. Alexandra Oussou, depuis le grain de Yamoussoukro, salut à toi, mon très cher frère, depuis ta position. Voilà. Chers frères et sœurs, depuis le tournage du film de Sorodium depuis la Turquie, vu que nous sommes sortis et nous avons enchaîné et dénoncer le mensonge de Sorodium et de ses proches, ils sont rentrés dans leur coquille. Mais je reviens à la charge pour qu'ils comprennent une chose, chers frères et sœurs. Sachez une chose, hein, nous sommes vigilants. Nous sommes vigilants parce que nous ne vous donnerons pas l'occasion de vouloir vous donner de l'importance alors qu'en réalité vous êtes en difficulté. Chers frères et sœurs, je vais vous donner des informations claires. Quand je vois les soroïstes sauter à gauche, à droite, voulant faire croire aux Ivoiriens que Sorodium aujourd'hui est important sur le plan politique. Souleymane Sanogo, salut à toi mon petit depuis ta position. Vouloir faire croire aux gens que Sorodium aujourd'hui a de l'importance. J'aimerais dire aux soroïstes ici, les personnes avec qui Sorodium a fui pour quitter la Côte d'Ivoire, je ne parle pas de vous les activistes, c'est proche. Les Moussa Touré même qui font les communications pour dire que Sorodium a failli être traqué. Toi, Moussa Touré. Ça dit que même le numéro de téléphone que tu utilises là, les services secrets de Côte d'Ivoire, Moussa. Moussa Touré, où tu dors là? Où toi tu dors? Où tu dors? Toi, tu penses que l'État de Côte d'Ivoire ne sait pas où toi tu dors en France? Toi, Moussa Touré. Tous les activistes de Sorodium, vous qui êtes sur les réseaux sociaux, c'est parce que l'État de Côte d'Ivoire n'a pas le temps pour vous. Sinon, si c'est pour vous traquer, là, on peut vous traquer pour aller vous prendre chez vous à la maison. Vous allez venir nous parler de quoi? Toi, Moussa Touré, qui fait poste. Toi, pour t'arrêter à la seconde. Parce qu'on sait où tu dors. C'est vous, en réalité, qui ne savez pas où Sorodium est. C'est vous qui négligez les vraies difficultés de Sorodium. Rose Claire, salut à toi, depuis ta position. C'est vous qui ne savez pas où Sorodium se trouve. C'est vous qui voulez donner de l'importance à Sorodium. Sinon, c'est vous qui voulez faire croire que vous avez de l'espoir. Sinon, vous êtes des désespérés.
Vous êtes des désespérés. On le sait en âme et conscience. Mais attendez, quand vous venez vous asseoir et que vous voulez parler devant les gens, mon très cher frère, depuis ta position, Junior connaît depuis le Bafin, salut à toi, mon très cher frère. Dawamed le transitaire, salut à toi. Sanogo Bema, salut à toi, mon jeune frère, depuis ta position. Vous voulez vous donner de l'importance, mais vous n'avez aucune importance. Cher frère Soroy, je vais vous dire quelque chose. Est-ce que vous savez que nous, les activistes du RHDP, là, nous, on est informés. Il y a quelques mois de cela, une proche de Sorodjom, je ne parle pas de ceux qui sont en Europe ici, hein, une proche de Sorodjom qui est avec Sorodjom en Côte d'Ivoire, qui est ici en France avec lui. Est-ce que vous savez que nous, les activistes du RHDP, là, nous, on sait que la personne a déménagé il y a peut-être 5 mois de cela ou bien 6 mois de cela. Est-ce que vous savez que nous, on sait qu'il y a un député de Côte d'Ivoire qui a marié une proche de Sorodjom qui était en Côte d'Ivoire avec elle, qui est venue avec elle ici. Je ne suis pas en train de parler de vous, les activistes. Mais est-ce que vous nous voyez parler de ça? Est-ce que vous savez que nous, on sait, que moi, je sais, le jour même vous avez célébré le mariage là, j'avais l'adresse, j'avais toutes les informations. J'ai même envoyé mes éléments sur le terrain. Mes chers frères et sœurs, ce n'est pas notre problème. Ce député même qui a marié la proche de Sorodjom qui est en Côte d'Ivoire là, vous pensez que nous on n'est pas au courant de ça? Ça dit que le proche là, lui il vient, il organise son mariage, il va s'asseoir en Côte d'Ivoire et puis nous on est assis et puis on regarde la personne et puis il rit. Et puis il fait semblant même de parler mal de Sorodjom. Et puis on les regarde, on rit. On dit, hey, on pète nalement jusqu'à ce point là. Attends, on pète nalement jusqu'à ce point là. Venez me dire, sortez sur les réseaux sociaux pour venir dire que ce que le Zulu de Bogota a dit là, qu'il n'y a pas une proche de Sorodjom qui s'est mariée à un député de Côte d'Ivoire. Et puis la même proche là, elle a déménagé. Ils l'ont envoyée dans un autre coin. Pour aller encore plus loin, son déménagement là, elle ne paye pas maison. Vous voulez que je parle? C'est vous qui vous asseyez pour parler mal de la France. C'est vous qui vous asseyez pour parler mal de la France. Par contre, les proches de Sorodjom, quand il a abandonné la Côte d'Ivoire, là, et puis il avait beaucoup de cartes de crédit, là, il dormait dans les hôtels de luxe. Il dormait dans les hôtels de luxe. Aujourd'hui, là, ces mêmes proches-là dorment aujourd'hui dans les maisons gratuites données par la France. Venez me dire le contraire. Venez me dire le contraire. Ces mêmes proches de Sorodjom qui ont quitté la Côte d'Ivoire avec lui, là, qui sont venus s'asseoir et qui dormaient dans les hôtels de luxe quand Sorodjom avait encore les grosses cartes de crédit. Là. Quand on a coupé ça, là, ils dorment aujourd'hui dans les maisons gratuites données par la France. Vous allez venir nous parler de quoi? Et c'est vous qui croyez que nous, on n'a pas d'informations sur Sorodjom. On a les informations sur Sorodjom. Mais les vraies informations qu'on a sur Sorodjom, là, c'est que ça ne va pas chez lui aujourd'hui. Jean Baldran, salut à toi. Mon très cher grand frère Moïse Chérif, salut à toi. Salut à tous ceux qui sont connectés. Mori Fofana, salut à toi. Dawamed le transitaire, salut à toi depuis ta position. Vous allez venir nous parler de quoi? Chers frères et sœurs, vous pouvez vous effrayer vous-même. Vous pouvez vous donner de l'importance devant vous-même. Mais vous savez en âme et conscience. Vous savez en âme et conscience que Sorodjom aujourd'hui représente une enveloppe vide. Vous le savez, on n'a pas besoin de vous le dire. Parce que en son temps, là, quand Sorodjom doit voyager dans un aéroport, là, vous faites une vidéo pour déposer ça sur les réseaux sociaux. Pourquoi son voyage de Turquie, là, vous n'avez pas fait les photos où il était à l'aéroport de Turquie? Montrez-nous les photos que vous avez partagées. Où Sorodjom est à l'aéroport de Turquie? Et quand je vois certains militants du RHDP qui rentrent dans des communications inutiles, parce que je vais dire, parce qu'aujourd'hui j'ai vu un post sur les réseaux sociaux où quelqu'un était en train de dire Sorodjom est au Burkina, il doit s'entretenir avec Traoré Ibrahim et que les proches de Sorodjom sont en train de s'organiser. Ils ont déjà pris les billets par rapport à la CAN. Ils vont s'asseoir dans des coins stratégiques parce qu'ils veulent déstabiliser. Mon frère, je vais vous dire la vérité.
C'est ça qu'on appelle la mauvaise communication. C'est ça qu'on appelle la mauvaise communication. Chers frères et sœurs, je vais vous dire quelque chose. Les soristes ne peuvent rien faire. Mais est-ce que vous savez ce qu'ils font? Ils jouent avec votre esprit. Mais moi, celui de Bogota, je ne peux pas tomber dans les pierres parce que je les connais. Quand les soristes viennent s'asseoir et puis disent qu'ils vont boycotter la CAN et qu'eux ont la possibilité d'envoyer des gens dans les stades lors de la Coupe d'Afrique pour détruire les matchs, ils savent en âme et conscience qu'ils ne peuvent pas le faire. Mais qu'est-ce qu'ils font? Ils lancent ça. Et puis c'est toi maintenant qui fais la mauvaise communication. Mais la mauvaise communication, comment tu l'as fait? Toi, tu penses qu'en tant que militant du RHDP, toi, tu penses qu'en tant qu'un bon Ivoirien, quand toi, tu t'en vas faire des postes pour dire que les soroïstes, un sorodium, est en train de s'organiser avec Ibrahim Traoré pour déstabiliser, mais tu penses que tu es en train d'aider le RDR. Non, au contraire, c'est toi qui es en train de boycotter la CAN. C'est toi qui es en train de boycotter la CAN. Dans la réalité, ce n'est pas eux. Quand ils disent qu'ils vont boycotter la CAN, là, quand ils sortent et puis ils disent non, on va envoyer des gens au stade, on va envoyer des gens au stade qui seront comme ça. Mon frère, ils ne peuvent rien envoyer au stade. Ils ne peuvent rien envoyer au stade. Mais est-ce que toi, tu t'es rendu compte aujourd'hui des six stades de Côte d'Ivoire qui doivent abriter la CAN. Est-ce que tu t'es rendu compte des contrôles qui sont faits? Mais je ne suis pas en train de te parler des contrôles qui sont faits à l'entrée du stade. Je ne suis pas en train de te parler des contrôles qui doivent être faits au stade. Mais c'est des contrôles qui sont faits, qui seront faits à 2 km du stade, à 3 km du stade. Ce n'est pas des gens qui doivent passer comme ça et puis on leur demande de soulever la main. Non! Tous les détecteurs seront mis pour contrôler. Même les cars seront contrôlés. Donc, ce n'est pas du jeu. Donc, chers frères et sœurs, ne rentrons pas dans la mauvaise communication des soroïstes. Parce que si on ne fait pas attention, c'est nous-mêmes qui allons leur donner de l'importance. Mais de quoi vous êtes en train de parler qu'au sorodium et au Burkina? Chers frères et sœurs, c'est moi qui vous le dis. Sorodium ne peut pas rentrer au Burkina. Sorodium ne peut pas rentrer au Mali. Il va rentrer au Mali comment? Si Sorodium rentre au Mali, s'il rentre au Burkina, ça veut dire que Sorodium a dit au revoir à l'Europe. Ça veut dire qu'il a dit au revoir à l'Europe. Ça veut dire qu'il a dit au revoir à l'Europe. Sorodium rentre au Burkina en passant par quelle route? Sorodium, il rentre au Burkina par quel miracle? C'est vrai qu'à l'aéroport de Burkina, on ne va pas le contrôler. Mais quand il quitte un pays européen, quand il quitte ici, là, ils vont le contrôler. Mais de quoi vous êtes en train de parler? De quelle communication vous êtes en train de parler? De quelles compétences de Sorodium vous êtes en train de parler? Sorodium a annoncé devant tout le monde ici que lui, il s'en va aux États-Unis, chers frères et sœurs. Quelques jours plus tard, c'est le même qui venait annoncer que les États-Unis, il n'est pas allé demander visa, hein? Et puis ils ont annulé son visa. Non. Sorodium avait un visa illimité où il pouvait rentrer aux États-Unis matin, midi et soir. Mais les États-Unis ont annulé son visa pour lui dire que tu ne peux plus rentrer aux États-Unis. Chers frères et sœurs, si la Côte d'Ivoire n'était pas puissante, si l'État de Côte d'Ivoire n'était pas puissant, dites-moi, comment les États-Unis qui donnent un visa illimité à quelqu'un, et puis les États-Unis annulent le visa de cette personne? Chers frères et sœurs, je vais vous dire quelque chose. Quand les États-Unis t'ont arraché un visa illimité que tu avais, et qui t'ont considéré comme un terroriste, chers frères et sœurs, c'est fini, tu ne peux pas rentrer aux États-Unis. Même si tu viens de montrer que tu as tes enfants, même si tu viens de montrer que tu as tes enfants, même si une Américaine te marie, tu ne peux pas rentrer aux États-Unis. Même si une Américaine te marie, tu ne peux pas rentrer aux États-Unis.
Même si une Américaine te marie, tu ne peux pas mettre tes pieds aux États-Unis. Que quelqu'un vienne me dire le contraire. Chers frères et sœurs, posez-vous la question de savoir pourquoi, quand le Zoulou de Bogota sort et qu'il s'attaque et qu'il détaille leurs mensonges, leur hypocrisie, posez-vous la question de savoir pourquoi les Soroïs cherchent à aller faire sortir des vieilles vidéos de Zoulou de Bogota pour venir les déstabiliser. Adama, on peut déstabiliser un vieux lion comme ça. On peut déstabiliser un vieux lion. Ça dit que vous me regardez. Et puis vous mettez dans votre rêve qu'en faisant sortir des anciennes vidéos où Zoulou de Bogota soutenait Sorodium, ça peut déstabiliser. Mais vous ne savez pas que vous produisez l'effet contraire. Parce que l'effet contraire que vous produisez sans vous en rendre compte, c'est que vous, en faisant cette communication, vous montrez aux militants du RHDP que moi, le Zoulou de Bogota, je me suis rendu compte que j'étais dans le mensonge, j'étais dans le faux et que je me suis dessaisi. Vous pensez faire du mal à Zoulou, mais alors que c'est le contraire. Vous ne savez pas qu'en faisant ce genre d'acte, vous mettez dans le cœur des militants du RHDP l'amour qu'ils ont pour moi et qu'ils se rendent compte que je suis un homme digne, un homme véridique. Parce que contrairement à vous, vous êtes aujourd'hui engagé derrière Sorodium. Vous ne pouvez plus vous séparer. Parce que vous avez compris que la seule chose qui vous reste à faire, c'est d'aller au bout. Vous ne pouvez rien faire. Et puis quand je dis au bout, vous savez que vous êtes déjà des morts vivants. Vous savez que les gens ne peuvent pas avoir confiance en vous. Vous savez aujourd'hui que tous les partis politiques ont utilisé les soroïstes comme des papiers de toilette et puis on vous a jeté. Parce que quand vous venez en 2019 et que vous voulez montrer aux gens qu'au RHDP, on ne peut pas vous utiliser et que vous êtes des responsables et que vous, et on ne peut pas jouer avec vous et que Sorodium c'est un digne fils et que quand Sorodium vient s'asseoir et puis il dit devant le monde entier, on voulait m'obliger à rester au RHDP. J'ai eu le courage d'aller m'asseoir devant le président Ouattara et je lui ai dit, je ne rentre pas. Vous me connaissez bien. Quand tu as fini de dire ça au président Ouattara, quand tu as fini de dire ça au président Ouattara, et que lui te laisse partir, et qu'après, ce n'est même pas Laurent Gbagbo qui t'utilise. Ce n'est pas Henri Konan Bédier qui t'utilise. Ce n'est même pas le FPI en tant que parti politique qui t'utilise. Ce n'est pas le PDCI en tant que parti politique qui t'utilise, mais que c'est des pervers assis à Paris. Des plaisantins assis à Paris qui vous utilisent pour que vous participiez à leur manifestation de Tchakotcho Rouge en France. Parce que lors de cette manifestation, là où les Afusi Atabamba, les Franklin Niapsi, les Moussa Touré sont allés dans les rues de Paris, voulant faire semblant et annoncer aux yeux du monde entier que le président Ouattara est en train de tomber. Quand tu t'assois et que tu regardes lors de cette manifestation, tu ne vois aucun responsable du FPI, tu ne vois aucun responsable du PDCI, mais par contre, on voit les responsables et les proches de Sorodium. En l'occurrence, l'une de ses avocates, Afusa Kabamba, en l'occurrence, l'un de ses porte-parole, l'un de ses conseillers, Franklin Niamsi, qui participe à cette manifestation. Tu vois son directeur de communication, Moussa Touré, qui participe à cette manifestation. C'est là que vous vous rendez compte que vous pensez que vous êtes puissant. Vous pensez que vous êtes véridique. Vous pensez qu'on ne peut pas vous utiliser. Mais par contre, des plaisantins à Paris vous ont utilisé. Et encore, nous sommes en 2023, quand vous vous rendez compte que les gens comme... Je vais vous dire quelque chose aujourd'hui, chers frères et sœurs. Les Soroïs, une fois, sont allés à la CPI pour aller soutenir les proches de Gbagbo. Ils arrivent là-bas. Chers frères et sœurs, je vais vous dire quelque chose. Est-ce que vous savez ce qu'on appelle? Ça dit que malgré la distance qu'ils ont fait pour aller à la CPI, on les a mis à côté. Que quelqu'un vienne me dire que Zoulou de Bogota, ce que tu dis là, c'est faux. Serge Kassi a dit, les Soros n'ont pas droit à la parole ici.
On n'a pas besoin d'eux. Serge Kassi, il est vivant. On ment sur les morts. On ne ment pas sur un vivant. Serge Kassi a dit, les soroïstes ne doivent pas parler ici. Les soroïstes ne doivent pas parler. Il a fallu que les gens demandent pardon. Il a fallu que les gens demandent pardon pour leur donner la parole à la CPI. Chers frères et sœurs, c'est moi qui vous dis ça. Ça dit qu'ils ont quitté la France, ils ont quitté l'Italie, ils ont quitté l'Allemagne, ils ont quitté la Belgique pour aller soutenir Laurent Gbagbo à la CPI. Et puis quand ils arrivent là-bas, les proches, les pro-Gbagbo là, disent qu'on ne peut pas leur donner la parole parce qu'ils voulaient prendre le micro pour parler. On dit qu'on ne leur donne pas la parole. Ça dit que où on doit parler bien pour défendre Gbagbo, on ne leur donne pas la parole. Mais quand on doit leur donner la parole pour crier, crier dans les rues, là, c'est là où on leur donne le micro à Paris. Et parce qu'ils jouent la musique. Ça dit que quand ils s'en vont dans une manifestation, eux, on les met devant. C'est eux qui animent. Et puis les vrais gars viennent. C'est ça qui est le vrai problème. Regardez toutes les manifestations pro-Gbagbo à laquelle ils ont participé. Eux, ils parlent après. Au dernier moment, eux, ils parlent après. Quand les gens sont fatigués pour parler, pour partir. Pendant qu'eux-mêmes, ils étaient en train de parler, il y a des gars qui étaient là et qui disaient, c'est les partisans du rebelle. Il y a une fois, il y a des soroïstes qui sont partis à une manifestation, la vidéo, là, je ne sais plus où ça est. Vous allez vous rappeler bien. Il y a une dame qui est sortie qui a dit que quand vous venez ici, là, vous devez voler profit bas. Parce qu'on n'a pas besoin de vous ici. C'est vous, aujourd'hui, là, qui avez besoin de nous. Nous, on n'a pas besoin de vous. Quand vous venez à notre manifestation, là, vous ne pouvez pas venir vous imposer. Ce n'est pas parce que c'est gâté dans la main de Soro Duom aujourd'hui, là, que vous allez venir vous jouer les défenseurs de Laurent Gbagbo. Venez me dire le contraire. Si ce que j'ai dit, c'est faux. J'ai dit qu'il y a une proche de Soro Duom. J'ai dit bien une proche de Soro Duom qui s'est mariée à un député de Côte d'Ivoire. Et vous pensez qu'on n'est pas au courant? Vous pensez qu'on n'est pas au courant? Vous pensez qu'on ne sait même pas où aujourd'hui les gens comme les Moussa Touré dorment? Venez me dire, si aujourd'hui les Moussa Touré dorment dans les hôtels de luxe à Paris, venez me dire. Venez me dire, si aujourd'hui Moussa Touré dort dans l'hôtel de luxe à Paris, venez me dire. Vous allez venir nous parler de quoi? Vous allez venir nous parler de quoi? Vous avez vu les dernières images de Soul to Soul depuis la Maca. Mais pourquoi vous n'avez pas pris ça pour déposer ça sur vos pages pour montrer aux gens le visage de Soul to Soul? Mais ce que Soro Duom oublie, aujourd'hui, là, ce que je vais vous dire, chers frères et sœurs, je vais vous dire quelque chose aujourd'hui. Vous savez, l'histoire de la saisie des armes chez Soul to Soul, là, est-ce que vous savez qui a donné l'information à l'État de Côte d'Ivoire? Est-ce que vous savez qui a donné l'information à l'État de Côte d'Ivoire? C'est moi qui vous dis aujourd'hui. C'est des proches de Soro Duom qui ont donné l'information. Parce que la position de Soul to Soul là, n'arrangeait pas certaines personnes entre eux. C'est les mêmes qui ont dénoncé. J'ai vu un poste la dernière fois où Konaté Zi était en train de dire, oui, demain vous allez avoir honte quand le père et le fils vont faire la paix. Quand le père et le fils vont faire la paix, vous allez avoir honte. Qu'est-ce que vous allez dire demain? En politique, on ne sait jamais. En politique, on ne sait jamais. Konaté Zi, si tu veux demander à Soro Duom d'aller demander pardon au président Ouattara, il faut demander pardon. Parce que cette phrase-là, pour dire on ne sait jamais en politique, là, justement, c'est parce qu'on ne sait jamais en politique. C'est parce qu'on ne sait jamais en politique qu'aujourd'hui, là, un gars comme Soro Duom s'arrête pour parler du président Ouattara. C'est parce qu'on ne sait jamais ce que la politique nous réserve. Sinon, si on savait ce que la politique nous réserve, Soro Duom ne devait pas un jour être auprès du président Ouattara. Oui. C'est parce qu'on ne sait pas ce que la politique nous réserve que vous, oh, vous, les gens qui avez été à de hautes responsabilités, parce que le président Ouattara vous a nommé à de hautes responsabilités, vous avez failli à votre mission. Et que vous n'avez plus eu le courage de sortir. Les gens comme les El Hadj Mamadou Traoré qui parlent. Pourquoi El Hadj Mamadou Touré, jusqu'à preuve du contraire, tu n'expliques pas aux Ivoiriens ton rôle de directeur d'école que tu avais là? Tu travaillais dans une grande école en Côte d'Ivoire. Jusqu'à preuve du contraire, pourquoi
pourquoi tu ne fais pas un livre pour expliquer les vraies conditions, les vraies raisons pour lesquelles tu as été chassé par le président Ouattara? Il faut avoir le courage de lui dire. Chers frères et sœurs, je vous donne un exemple. Les dernières élections qui sont finies cette fois-ci, Koné Tiefou de Yopougon, montrez-moi des soroïstes qui ont soutenu Koné Tiefou. Même Soro Diop, est-ce qu'il a soutenu Koné Tiefou? Il ne l'a pas soutenu. Chers frères et sœurs, je vais vous dire, quand les Koné Tiefou sont en prison, là, et puis ils sortent, et puis souvent ils font les postes, oui, on voulait dire merci au président, il a été gentil avec nous, Soro Diop a été gentil avec nous. J'ai dit, Koné Tiefou sait en âme et conscience qu'il est en train de mentir. Koné Tiefou sait en âme et conscience qu'il ment. C'est moi qui vous dis ça. Koné Tiefou sait qu'il est en train de mentir. Il sait qu'il est en train de mentir. Koné Tiefou, tu étais en prison. On sait ce qui s'est passé. Chers frères et sœurs, posez-vous la question de savoir pourquoi tous ceux qui sont arrêtés au nom de Soro Diop, quand ils vont en prison et puis quand ils ressortent, ils ne sont plus à Soro Diop. Est-ce que les Koné Tiefou sont venus au RHDP? Koné Tiefou n'est pas venu au RHDP. Mais pourquoi aujourd'hui Koné Tiefou n'est pas avec Soro Diop? Pourquoi aujourd'hui Koné Tiefou n'est pas avec Soro Diop? Parce qu'une fois qu'ils ont été arrêtés, ils mentent sur les réseaux sociaux pour dire oui, Soro Diop s'est occupé de lui, Soro Diop a fait comme ça. C'est faux. Une fois que tu as déposé en prison, c'est fini. Une fois que tu as déposé en prison, c'est fini. Chers frères et sœurs, regardez aujourd'hui les soroïstes. Montrez-moi la dernière vidéo d'un soroïste qui a parlé du commandant Fofana. Qui a parlé du commandant Fofana. Mais ce que beaucoup de soroïstes ne savent pas, quand vous savez parler de l'ingratitude, mais je vais vous dire quelque chose. Je vais vous dire quelque chose aujourd'hui. Ce n'est pas sorti de la bouche de quelqu'un d'autre. Soro Diop lui-même dans sa propre bouche. Il assit et puis nous montre commandant Fofana. Zenasoum, ma fille, salut à toi depuis ta position. Maria Touré Fofana, salut à toi. Suleiman Cheikh, salut à toi. Vamara Timsom, salut à toi, mon très cher petit frère, depuis ta position. J'espère que tu vas bien. Chers frères et sœurs, je vais vous faire une révélation sur le commandant Fofana. C'est Soro Diop lui-même qui s'assoit et puis nous montre du doigt. Il nous parle du commandant Fofana. Il dit, vous ne savez pas ce que ce monsieur a fait pour moi. Il a dit que à Boaké, on a failli me tuer. Soro Diop, lui-même dans sa propre bouche. À Boaké, on a failli me tuer. Le commandant Fofana a risqué sa vie pour moi. Il dit, si le commandant Fofana se déshabille devant vous ici, tout son pied là, même jusqu'à présent, il y a les traces des balles encore sur lui. Il a risqué sa vie pour moi. Dieu seul sait ce que Fofana a fait pour moi. Jamais je vais tourner le doigt à ce monsieur. Toi, le soroïste là, depuis que le commandant Fofana a été arrêté, la première des choses que vous avez commencé à dire, c'est de dire que non, c'est un traître. Il allait se vendre. Il a fait comme ça. Mais pourquoi vous ne sortez pas pour dire aux Ivoiriens qu'il a sauvé la vie à votre patron? Pourquoi vous ne sortez pas pour dire qu'il a sauvé la vie à votre patron? Parce que dans la réalité, vous ne connaissez pas votre patron. Parce que dans la réalité, vous ne connaissez pas votre patron. Parce que dans la réalité, vous ne savez pas que votre patron ne vous dit pas la vérité. Entre le commandant Fofana et Soro Diop, s'il y a quelqu'un qui a plus rendu service à quelqu'un, c'est le commandant Fofana qui a rendu service. Mais pourquoi vous ne parlez plus du commandant Fofana? Pourquoi vous ne parlez plus du commandant Fofana? Pourquoi vous ne parlez pas de lui? Parce que vous le considérez comme un traître. Parce que pour vous, tout le monde doit mourir pour Soro Diop. Parce que vous considérez que tout le monde doit mourir pour Soro Diop. Parce que vous devez vous poser la question, les Ivoiriens doivent se poser la question, pourquoi à chaque fois, c'est les soroïstes qui sont toujours dans les positions pour dire que il a été traître. Il a été traître. C'est eux qui savent à chaque fois que l'autre a été traître. C'est eux. Alain Lobonia a fait prison deux fois. Et des Blackrock qui sont assis ici, sur les réseaux sociaux en train de parler, c'est eux qui insultent Alain Lobonia. Soro Kanoudji a fait prison. Ses enfants pleuraient à la maison.
Sa femme ne pouvait pas le voir. Mais c'est ce monsieur-là, pendant qu'il est en prison, Sorodium commence à détruire son parti. Dieu ne dort pas. Chers soroïstes, sortez pour venir nous dire le racis de Sorokanuji. Sorodium l'a détruit. Le racis est devenu quoi dans sa main aujourd'hui, n'a qu'à nous dire. Voilà quelqu'un, pendant que Sorokanuji est en prison, alors qu'il est le président de son mouvement, alors que c'est lui qui a créé son mouvement, et qu'est-ce qu'ils font? Sorodium prend les responsables du RAC, du RACI pendant que le monsieur est en prison. Pendant que le monsieur est en prison à cause de lui, Sorodium enlève tous les responsables du RACI, les présidents en Europe ici. Et je les vois aujourd'hui qui se moquent de la défaite de Sorokanuji. Mais vous n'avez pas honte. Vous n'avez pas honte. Vous pouvez vous moquer de Sorokanuji parce qu'il a perdu un poste de municipalité. Par contre, vous soutenez quelqu'un qui vous a promis qui sera président de la République, mais qui aujourd'hui est devenu un rat en Europe ici. Mais de vous à moi, qui doit se moquer de qui? Vous soutenez quelqu'un qui vous a promis que lui sera le prochain président de la République de Côte d'Ivoire, qui vous a dit que le président Ouattara ne sera pas président de la République de Côte d'Ivoire, qui vous a menti, qui vous a berné. Et c'est vous qui venez vous asseoir pour dire que vous vous moquez de quelqu'un qui a perdu des élections. Mais est-ce que vous êtes intelligent? Est-ce que vous êtes intelligent? Est-ce que vous êtes intelligent? Vous, aujourd'hui des soroïstes, vous vous asseyez pour dire que le président Ouattara c'est un Burkinabé. Vous dites que le président Ouattara c'est un Burkinabé. Et en même temps, votre leader sort pour dire la rébellion que j'ai dirigée en Côte d'Ivoire, où on m'accuse d'avoir tué Ibé, où on m'accuse d'avoir tué des gens, où on m'accuse d'avoir tué des Ivoiriens. Là. La rébellion que moi j'ai dirigée là, je travaillais pour Ouattara. Chers frères et sœurs, de vous à moi, entre un étranger, faisons même que ce que vous dites là, c'est vrai, entre le citoyen ivoirien, celui, vous dites que ce c'est un ivoirien, non, entre ton frère, ça dit que ton propre frère, accepte de travailler pour un étranger, pour tuer ton frère. De toi à moi, qui est mauvais? Non, de vous à moi, qui est vraiment le mauvais? Vous dites que Sorodium, lui, est ivoirien. Vous dites que le président Ouattara, c'est un Burkinabé. Et en même temps, votre leader sort pour dire que la rébellion que j'ai dirigée, là, c'est la rébellion du Burkinabé dont vous parlez. Ça veut dire que si quelqu'un a le courage de travailler pour un Burkinabé, pour tuer ses propres frères ivoiriens, ça veut dire que demain, là, il peut prendre un Malien pour toi-même te tuer demain. Ça veut dire que demain, là, il peut travailler avec un Guinéen pour te tuer. Il peut dire demain, là, il peut travailler avec un Sierra Leonais pour toi-même te tuer. Oui. Il a fait tout ça pourquoi? Il a fait tout ça pour un deal. Parce que c'est ce qu'il est venu nous dire après. J'ai tué tous ces Ivoiriens pour un Burkinabé parce que le Burkinabé m'a même promis que si demain il devient président, il va me mettre le numéro 2 de son parti. On dit pourquoi tu as travaillé pour le Burkinabé? Il dit non, j'ai travaillé pour le Burkinabé là. Pourquoi tu as travaillé pour cette personne là? J'ai travaillé pour un Burkinabé. J'ai tué les Ivoiriens pour un Burkinabé parce que ce Burkinabé là m'a promis un poste. À cause de poste, il a travaillé pour un Burkinabé pour tuer les Ivoiriens. Est-ce que vous vous rendez compte même que quand vous traitez le président Ouattara de Burkinabé, vous pensez que vous rendez service à votre patron? Non, vous pensez que vous rendez service à votre patron? C'est la femme de ce même Burkinabé là qui a payé son université à Paris. Mais tellement il était vaurien. Parce que jusqu'à preuve du contraire, quand tu t'en vas regarder la biographie de Sorodium, en aucun cas, on ne voit qu'il a fréquenté dans une université à Paris. Maintenant, si ça va mettre là, il n'a qu'à nous dire quel diplôme il a eu, tellement il était vaurien. Tellement il ne connaissait rien. C'est ça qui est la vérité. Vous allez venir nous parler de quoi? Vous allez venir nous parler de quoi? Vous ne pouvez rien nous dire. J'ai dit, je suis dans votre sang. Je ne veux pas parler. Sinon, j'ai le nom
de la personne qui s'est mariée à député de Côte d'Ivoire. Je connais le lieu où le mariage s'est produit. Je connais la date. Je connais l'adresse où la personne habitait avant le mariage. Et je connais l'adresse où la personne est partie habiter après le mariage. Adama, on peut être fort comme ça. Et vous êtes assis. Et je vais vous dire, arrêtez de crier. Que tu sois aux États-Unis, que tu sois en France, que tu sois en Allemagne, je vais vous dire quelque chose. L'État de Côte d'Ivoire n'a pas le temps pour vous. Parce que, chers frères et sœurs, chers soroïstes, de vous en moi, vous savez que ce que je suis en train de dire là, c'est une réalité. Est-ce que si l'État de Côte d'Ivoire veut éliminer, vous éliminer, est-ce que vous pensez que l'État de Côte d'Ivoire a besoin de payer des millions? Il y a des gens en Europe ici. Il y a des gens en Europe ici. Tu donnes l'adresse de quelqu'un. 1000 euros seulement, même moins de 1000 euros. Il t'abat la personne. Vous savez que ce que je suis en train de dire, ce n'est pas faux. Il y a des gens, pour 100 euros en Europe ici, ils te tuent. Pour 200 euros en Europe ici, ils te tuent. Si l'État de Côte d'Ivoire, vraiment, avait l'intention que vous êtes en train de dire, l'État de Côte d'Ivoire allait le faire, sans problème. Et vous savez que ce que le Zoulou de Bogota est en train de dire là, c'est une réalité. Mais l'État de Côte d'Ivoire ne vous calcule même pas. Ça dit que c'est nous qui sommes sur les réseaux sociaux, quand vous insultez nos autorités, quand vous insultez le président, ça nous fait mal. Ça nous fait mal. Mais il y a d'autres parmi nous là, ça ne les fait pas mal. Parce que les personnes qui se comportent comme ça, c'est la démonstration que vous êtes des enfants maudits. Seuls des enfants maudits peuvent se permettre d'insulter, d'injurier pour des raisons politiques des personnes qui ont même âge que leur papa ou bien des personnes même qui sont plus âgées que leur papa. Seuls des enfants maudits, des enfants mal élevés, des bâtards, des imbéciles peuvent se permettre d'insulter une femme qui peut avoir même âge que leur maman. Seuls des imbéciles, des idiots peuvent avoir le courage de venir insulter des femmes sur les réseaux sociaux, alors que quand ils rentrent chez lui à la maison, c'est une femme qui dort derrière lui. C'est la démonstration que même la femme qui vit avec toi, tu n'as pas du respect pour elle. Oui. C'est la démonstration que même la femme qui vit avec toi, tu n'as pas du respect pour elle. Sinon, si tu respectes ta femme, si tu respectes ta mère qui t'a mise au monde, si tu respectes même ta propre fille que tu as mise au monde, tu ne peux pas avoir le courage d'insulter une autre fille. Chers frères et sœurs, c'était votre frère, le Zoulou de Bogota, le paracétamol des soroïstes. C'est moi, je suis votre solution. Je vous ai déjà dit, vous êtes des condiments que moi, je suis allé payer au marché d'Adjamé pour préparer ma sauce à la maison. Donc, je sais à combien je vous ai payé. Je sais comment je dois vous utiliser pour préparer ma sauce. Ne vous fatiguez pas. Ne vous arrêtez pas à aller faire sortir des anciennes vidéos. C'est moi-même encore le premier qui sort et qui dit que j'ai été soroïste. Mais je n'ai pas accepté la lâcheté, l'hypocrisie. Et aujourd'hui, ceux qui ne me donnaient pas raison hier me donnent raison aujourd'hui. Soro ne sera jamais président de la République de Côte d'Ivoire. Que non, on a dit ça sur le président Ouattara, ce n'est pas la même chose. Oui. Quand le président Ouattara était traqué en Côte d'Ivoire, là, quand il était traqué en Côte d'Ivoire, on le voyait, malgré les traités, il est traqué en Côte d'Ivoire. On voyait le président Ouattara rentrer au siège du FMI aux États-Unis. Il pouvait rentrer à la BCAO. Personne ne pouvait l'empêcher. Il avait le visa pour rentrer dans n'importe quel pays. Aujourd'hui, Soro John ne peut même pas mettre son pied. Simple passeport. Simple passeport, il n'a pas. De quoi vous allez me parler? Simple passeport, il n'a pas. Chers frères et sœurs, c'est la réalité que vit Soro John aujourd'hui. Chers frères et sœurs, bonsoir à vous, que Dieu veille sur vous et que Dieu vous protège. Merci.